l'infirmerie, donc on a Florian, vous avez vu la semaine dernière, donc où malheureusement on a dû prendre la décision de le reposer. Il souffre. C'est une douleur qu'il a depuis. Moi, depuis que je suis arrivé, il a mal. Et a priori, ça fait. Vous qui le connaissez depuis avant, il avait déjà mal à ce. Maladie. Daglund. J'ai retenu H-A-G-L-U-N-D. Au niveau de. Vous regarderez, hein, Wikipédia, c'est pas mal. Ça vous dit un peu ce qu'il a. Donc, non, là, la douleur était vraiment, vraiment importante. Et à un moment donné. En discussion avec lui, j'avais prévu de le faire jouer, hein, je vais pas vous le cacher, il devait jouer, il a fait la veille de match avec moi et on s'est vu après l'entraînement. Après l'entraînement, il m'a dit: coach, vraiment j'ai mal et je sais qu'il triche pas. Vous connaissez encore une fois même plus que moi, maintenant je commence à bien le connaître aussi, c'est pas du tout un tricheur. Et voilà, c'est non, ils ont fait des soins pas particuliers, enfin vous savez maintenant il y a des. Parce que, bon, après, c'est médical, je ne sais pas si je peux vous le dire. Mais non, mais des soins particuliers dessus et du repos. Oui, oui, parce qu'il y a une inflammation à ce niveau-là. Vous regarderez la blessure qu'il a. Enfin, la maladie, c'est une maladie plus qu'une blessure, quelque chose. Et donc, oui, ça nécessite des soins et du repos si on veut avoir une chance que il aura, il va rejouer, mais que ça soulage un peu, ça le soulage un peu. On ne le reverra pas avant Noël. J'espère peut-être le retrouver sur peut-être pas au service de faire juste, mais peut-être Brest. On espère avec le staff médical travaille en ce sens. Après, encore une fois, mon vécu de joueur fait que je suis pas un entraîneur qui va mettre à tout prix, qui va prendre des risques sur la santé de ses joueurs. Je sais trop à quel point ça peut être douloureux d'arrêter tôt parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait durant sa carrière. Donc là, quand il vient me voir et qu'il me dit qu'il a mal et qu'il souffre, voilà, c'est un moment où il faut qu'il s'arrête et il va revenir. Et quand il reviendra, si je l'ai fait jouer, les joueurs, quand je l'ai fait jouer, quand je les mets sur le terrain, c'est que j'estime, un, avec mon staff, qu'il n'y a pas de risque pour la suite de sa carrière. Et deux, qui va être performant avec moi. Justement, au niveau des blessures, tout à l'heure, Eric en parlait par rapport à la Coupe du Monde. Est-ce que toi, du coup, tu as une façon de gérer différemment les joueurs qui peuvent faire la Coupe du Monde alors qu'elle approche? C'est. Mais forcément qu'il y a une appréhension. Et alors, bon, moi, ça se joue sur trois joueurs. Je crois que j'en ai que trois, hein, qui potentiellement peuvent aller à la Coupe du Monde. Ike, Eric et Jackson, pour Roseau. Mais vous voyez, on va parler de Paris, qui eux, ils n'en ont pas que trois, et on voit que les joueurs, depuis le début de saison, on les voit dans leur motivation, dans l'engagement qu'ils sont capables de mettre dans les matchs, on sent qu'ils ont vraiment envie d'arriver en super forme à cette Coupe du Monde, et forcément qu'ils se posent des questions. Alors, après, il y a deux catégories de joueurs, j'allais dire. Vous avez Eric, qui n'est pas sûr d'y aller. Donc lui, s'il commence à calculer et à ne pas être forcément bon, il est sûr de ne pas y aller, blessure ou pas blessure. Donc forcément, lui, c'est pour ça, pas répondu à sa place, mais presque. En fait, il a intérêt à être performant s'il veut avoir une chance. Bon, s'il y a blessure, il y a blessure, mais il a intérêt à être performant. S'il joue et qu'il ne va pas dans le contact et qu'il se gère, il sait qu'il n'ira pas parce qu'il ne sera pas performant. Et après, vous avez le joueur qui est sûr d'y aller. Et le joueur qui est sûr d'y aller, effectivement, là... Alors, je pense que Jackson, oui. Bon, on est quasiment sûr, enfin quasiment sûr, je ne vais pas le dire là, mais je lui souhaite vraiment d'y aller. Après, Jackson, c'est encore différent, parce que lui, il ne va pas forcément réfléchir, il ne va pas se retenir dans le duel, c'est sa qualité. Donc, enfin, non, mais après, vous avez des joueurs, et je pense aux Parisiens, qui, effectivement, on se pose la question. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui ont déjà raté une Coupe du Monde parce que sur un match, j'étais à Monaco, Falcao, c'était avant, non? C'était le Coupe de France. Coupe de France sur. Enfin bon, ça fait mal de rater une Coupe du Monde parce qu'il y a un tacle et qu'il l'a pas enlevé. Et ces joueurs-là, effectivement, en tant que coach, alors j'en ai pas beaucoup moi, mais c'est beaucoup plus difficile à gérer parce que oui, ce sont des joueurs à part entière, non seulement de l'équipe, mais de leur équipe nationale. Donc la partie qui est facile, c'était depuis le début de saison.
parce que bah, ils s'investissent à 300% dans le club, parce qu'ils savent qu'ils doivent être, qu'ils veulent arriver en super forme à la Coupe du Monde. Et vous avez raison, la partie difficile, elle commence pour eux, pour le coach, parce que le joueur, inconsciemment, même s'il a envie d'être prêt, là, il sait que physiquement, il va être prêt. Maintenant, il y a une partie de risque, mais quand on est joueur, là aussi, c'est pas parce qu'on va jouer à moitié qu'on va pas se blesser. Enfin, quand on rentre sur un terrain, justement, c'est quand on commence à calculer que peut-être on se blesse. Et c'est super compliqué psychologiquement, justement, d'aborder, à la fois pour le joueur, mais aussi pour le coach, d'aborder cette période qui est cruciale, parce que vous lui avez dit, il se blesse aujourd'hui, le joueur. Varane s'est blessé, on n'est pas sûr qu'il la fasse, la Coupe du Monde. Il y a Maignan qui s'est blessé, il ne va pas la faire. Enfin, c'est des moments critiques. Et encore une fois, la Coupe du Monde, c'est un aboutissement de toute une carrière pour ces joueurs. Donc, enfin, j'imagine que ça ferait râler le joueur de se blesser contre l'Estac à trois mois, je ne sais pas combien on est là, de la Coupe du Monde. Forcément qu'il y a un calcul dans leur tête, et je le comprends. Pour revenir à l'infirmerie, Lucien oui. Gomet... Alors, Lucien Gomet, qui ne sera pas encore disponible ce week-end, qui accélère sa préparation, il n'a pas encore repris avec le groupe. Donc, Lucien, Florian, Jesse Moulin, qui souffre de l'épaule, je ne sais plus exactement, bursite, je crois, au niveau de l'épaule, donc qui n'était pas à l'entraînement cette semaine, qui récupère. Et on en a d'autres. Oui, mais non, il s'est entraîné normalement. On a discuté avec lui, ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc, il a fait toute la semaine de préparation avec nous. Et tout va bien. On a discuté, c'est lui et vous, ou il y a aussi le club qui a une discussion. Après, les discussions, vous savez, que ce soit avec François Vitali, avec Aymeric Magne, on en a tous les jours. Enfin, voilà, on en a parlé autour d'un repas, parce qu'on se croise au repas. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de réunion de je ne sais pas quoi, mais on en a discuté. C'est ce que je vous disais avant le match. Voilà, on va l'aborder avec la direction. Ben oui, on l'a abordé comme on se croise tous les jours. On l'a abordé. Le petit épisode du week-end, puisque moi ça m'est arrivé juste avant de donner mon groupe, donc il fallait, voilà, c'est comme tous les autres sujets, que ce soit clair et salé avec lui, avec François Vitali, avec Aymeric Magne. Pas de sanction, que ce soit par rapport à son entrée, non, parce qu'encore une fois, c'était oui, voilà, c'était un ressenti de sa part. C'était un ressenti de sa part. Moi, j'ai une, vous l'avez vu dans mon management, ça peut arriver. J'avais décidé de mettre d'autres défenseur, enfin, comme à des moments je change de milieu, ou à des moments, donc j'avais décidé de mettre d'autres défenseurs centraux sur ce match-là. Lui avait envie de travailler en plus et voulait pas perdre entre guillemets la journée à être à l'hôtel, donc il a eu une demande. Moi, c'est arrivé au dernier moment, donc je m'y attendais pas forcément. Après, je le comprends, j'ai accepté sa demande sur ce match-là. Il fait partie du groupe, il a été et il sera important dans notre objectif de maintien toute la saison, et il le sait. Il le sait comme les autres. Donc, il a fait sa semaine classique de travail avec le reste du groupe. C'est-à-dire que si vous décidez de mettre remplaçant le week-end prochain, il va l'accepter. Oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'était une demande exceptionnelle sur ce week-end où il sentait que. En fait, on a eu un jour off après, donc il sentait qu'il n'allait pas travailler. Alors moi. Je voulais simplement, dans la discussion, c'était oui, tu peux venir être sur le banc et travailler le soir même. Et en fait, il voulait avoir une séance un peu plus poussée qu'il n'aurait pas pu avoir le soir même. Enfin, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, c'était là-dessus. Donc, si je dois le sélectionner et qu'il doit être sur le banc, il n'y aura aucun problème. Il fait partie, il le sait très, il l'a déjà été jusqu'à maintenant et il a très bien rempli son rôle. Je pense par exemple rien qu'au match de Rennes, par exemple, où il a débuté sur le banc. Il est rentré, on était en infériorité numérique, et il a été très bon, il nous a permis de garder un point. Enfin voilà, c'est un exemple parmi d'autres où il était sur le banc, il a été très bon. D'autres matchs où il était bon sur le terrain, d'autres matchs où il était moins bon sur le terrain, enfin comme les autres, mais il n'y a pas de problème. Et du coup, vous avez
c'était une personne importante pour le vestiaire, pour finir sur ça. Et du coup, le fait qu'il ne soit pas sur la feuille de match, ça n'a pas eu d'influence dans le vestiaire, vous qui êtes au sein du groupe. Ouais, non, c'était à sa demande. Après, je vous dis qu'il est important, pour le vestiaire, il est important pour le groupe, il est important pour le terrain. Après, je comprends le joueur aussi. Il y a des fois, moi aussi, j'étais joueur, quand à un moment donné, vous attendez et lui espérez et qu'il voit que le coach prend une autre décision, il y a des moments où on est un peu moins bien. Mais il a jamais été négatif. Donc voilà, la discussion, il l'a eue, comme on discute là, on était tous les deux. Et les joueurs le savent. Et après, il est revenu. Il a travaillé très bien, justement, le matin du match. Il a fait une grosse séance le matin du match. Et le mardi, on a repris mardi. Le mardi, il était avec le groupe et tout va bien. Mais c'est une décision que vous et le club tolère parce qu'il y a un certain statut. Non, pas du tout. Non. C'était encore une fois, je vous ai donné le caractère exceptionnel. Non, c'est pas parce que c'est Adil. Demain. Je sais pas, j'ai mis des jeunes, des fois, on parle de jeunes, alors peut-être je peux sortir du groupe, ou des fois j'en prends des fois 21, vous avez vu, des fois 21 ou 22, il y en a qui sortent quasiment. Si un jeune vient me voir, il me dit, plutôt qu'être à l'hôtel et pas travailler, j'aimerais bien faire une grosse séance, je le comprends aussi. Et ça montre aussi la motivation, rien qu'après le match, puisque certains ont travaillé après le match, puisqu'ils avaient, je sais pas si vous avez vu, s'il y en a qui sont restés. Il y avait un supplément après le match pour ceux qui ont peu joué ou pas joué. Et par exemple, Renaud, enfin, j'ai mon prépa Aurélien qui est venu me voir, il m'a dit, il y a Renaud, il va en faire plus. Je dis, oui, très bien. Et donc Renaud a fait double de travail après la séance. C'est par rapport à eux, c'est un ressenti aussi qu'ils peuvent avoir. Ça n'a rien à voir avec le statut, avec l'âge, avec le... Après, il faut comprendre aussi que le joueur fait partie du groupe. Il peut y avoir un caractère d'exception et après, il fait partie du groupe. Et non, ça ne se passe pas comme ça à chaque fois. Sinon, oui, c'est vraiment un caractère exceptionnel. Est-ce que ça peut expliquer justement le fait qu'Adil soit moins utile, moins séance, c'est qu'il n'est pas 100% en tout cas à ses yeux. Est-ce que ça peut expliquer justement les difficultés actuelles défensives rencontrées par les stacks, contrairement à son arrière où il était... Non, je pense pas. Non, j'ai le fait que, c'est-à-dire qu'il s'entraîne pas assez ou qu'il en ait pas, qu'il demande, qu'il en ait besoin de plus. Le fait qu'il ait besoin de plus, c'est que pour lui, il est pas à 100%. Du coup, il joue pas. Et en dernier, quand défensivement, est-ce qu'il est meilleur. Mais c'est pas pour ça. C'est pas forcément pour ça qu'il joue pas. C'est pas forcément pour ça. Encore une fois, il y a beaucoup de paramètres qui m'amènent à coucher une équipe sur le papier. Il y a la dernière performance, il y a la semaine de travail, il y a l'équipe que l'on va jouer le week-end. Et les joueurs le savent, il y en a qui ont été très bons et qui peuvent sortir, qui peuvent ne pas faire le match d'après, mais ils savent très bien qu'ils sont ils sont là, ils vont faire celui qui va venir. Et donc c'est pas un problème justement. Et puis alors, concernant la charge de travail, il y a un ressenti individuel. Par contre, vous savez que maintenant, au niveau des charges de travail, on est blindé sur les données GPS, sur les données de fatigabilité, sur les données. Donc, la charge est exactement la même que celle qu'on avait l'an dernier. Même, on a élevé aussi, selon moi, le curseur aussi à ce niveau-là. Donc, non, c'est pas cette explication. Je pense, pour revenir sur cet aspect défensif, parce que c'est ce qu'on aborde, que ce soit Adil, que ce soit Eric qui était là. Pour avoir un prix du recul par rapport à ça, donc oui, il y a des bêtises, oui, il y a des moments clés, oui, c'est des erreurs individuelles. Et certains de mes joueurs, et je parle avec eux des fois, je leur dis, mais là je t'ai pas reconnu. Et le fait qu'il y ait pas mal de changements, le fait qu'on travaille aussi un peu différemment l'aspect offensif, c'est ce que je vous ai dit cette saison, c'est que je voulais améliorer ça. Donc bien sûr que c'est pas parfait, mais on marque pas mal aussi de buts. C'est cet équilibre que je dois chercher. Le fait qu'il y ait beaucoup aussi, je ne voulais pas qu'il y ait autant de changements. Vous parliez de la défense la saison dernière, vous regardez la défense la saison dernière et notre défense cette année. Voilà, c'est plus la même. C'est plus la même, donc ça se retravaille. Et pas mal de jeunes joueurs. Quand on voit Laroussi, enfin, qui avait peu joué, ou Tierno Balde, ou Jackson Poroso, même lui, il n'est pas vieux, hein, Eric. Donc on est sur des jeunes joueurs à incorporer. Je pense que la réponse, elle est plutôt là, sur le travail qu'on va devoir faire avec ces nouveaux joueurs.
que sur un autre critère. Mais je me pose la question. Oh, oui, je cherche. Est-ce que justement, c'est pas particulier pour vous? Parce qu'on pourrait se dire que là, pendant la trêve internationale, ce que vous allez travailler, c'est l'aspect plus sur la, sur la défense. Et sur les trois joueurs de l'Estac qui partent, il y en a deux qui sont des centraux qui jouent habituellement. Ouais. C'est pas particulier pour vous, comme ça vous empêche de travailler pleinement avec eux. Alors ça, c'est la vision négative de ce qui va m'arriver. Moi, la vision positive, j'ai enfin avoir une préparation avec mon groupe. Parce que cet été, vous regardez la préparation, enfin bon, vous y étiez, quand on voyait les matchs amicaux, on a fait une bonne préparation pour la N3. Y avait, j'avais que la moitié de mon effectif. Donc là, je vais avoir, vous avez raison, à moins 3, je leur souhaite d'y aller tous les trois, mais je vais avoir mon effectif quand même pour travailler. Et cet aspect, alors ça ne sera pas le seul, parce qu'on va aborder tous les aspects. Et j'espère rattraper le retard. Alors, je leur souhaite d'aller à la finale de la Coupe du Monde. Ils ne vont pas partir un mois et demi non plus. Je ne sais pas si la finale, ça sera Équateur-Canada ou Équateur-États-Unis. Il faut parier maintenant, hein, si c'est ça, je pense qu'il y a des sous à se faire. Mais voilà, donc ils ne vont pas arriver non plus trop tard dans la préparation et je vais pouvoir rattraper aussi les messages que j'ai fait passer aux autres. La saison dernière, l'Estac a tenu au parc après avoir été mené 2-0 et tu avais dit à la fin du match que le scénario était favorable du fait que le PSG était déjà champion et que s'ils n'étaient pas champions, tu penses que l'issue aurait été autre. Ouais. Est-ce que tu trouves que le contexte là est encore favorable? Le match arrive entre deux matchs de la Ligue champion du PSG. Ouais. Alors c'est pareil, il faut chercher le positif. Alors oui, si on cherche le positif, effectivement, il arrive entre deux matchs. Mais je pense que même si le PSG fait tourner et me met une équipe complètement différente de celle qui a joué contre Maccabi Haïfa et celle qui va jouer contre la Juve, ils seront opérationnels. On n'est pas du tout dans la situation de la saison dernière où là, il y avait relâchement. Vous parlez de la Coupe du Monde, des joueurs aussi. Alors, il y a la petite question sur ne pas se blesser, voilà, celle-là. Mais sinon, les joueurs, ils sont en pleine forme, en pleine possession de leurs moyens, que ce soit, et que vous prenez tous les postes, que ce soit le titulaire au poste ou le remplaçant, le numéro 2, bis, 1 bis ou 2 au poste. Il n'y a pas du tout de relâchement chez eux. Et s'ils veulent enchaîner en plus des bons résultats, comme ils le font actuellement, je ne les ai pas vus prendre un match tranquille ou ce n'est pas non plus leur entraîneur qui est comme ça. Et je veux dire, ils les lâchent pas sur les matchs. On le voit, même Maccabi, même 3-0, ils n'ont pas lâché l'affaire. Enfin, ils ont continué à aller de l'avant. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte pour moi que la saison dernière quand on est allé au parc. Est-ce que ce match, pour vous, finalement, constitue un peu une parenthèse? Vous aviez des matchs, on va dire, à votre portée, avec la CRAS, avec Ajaccio, vous devez faire le jeu. Vous aurez ce profil de match contre Auxerre et Brest. Ce match-là, c'est un peu une parenthèse. On n'a pas forcément les mêmes attentes sur l'équipe qu'on pouvait avoir. Alors, pour vous, moi, non. Encore une fois, quand on est allé à Monaco, on m'a posé la même question. On m'a dit, est-ce que, voilà, c'est match gala. Et je vous ai dit, il n'y a pas de match gala. Et mes joueurs, non, il n'y a pas de match gala. Alors oui, ça va être super compliqué. Oui, ils sont en pleine bourre, oui. Mais encore une fois, non, il n'y a pas de match gala. Même s'il y a une infime porte qui peut s'ouvrir pour qu'on aille récupérer des points au parc, on fera tout pour s'incruster dans cette porte. On a des progrès à faire. On a des progrès à faire. On a parlé de l'aspect défensif. On a parlé du jeu. On a la chance d'avoir 90 minutes dans des super conditions pour travailler sur les prochains matchs et sur ce match. Et sur ce match. Encore une fois, si la porte elle s'est ouverte de 2 mm, on va se jeter dedans. On va se jeter dedans. On va tout faire pour... On ne sait pas si jamais ils ne sont pas, eux, à 120% comme ils sont en ce moment sur tous les matchs. On veut, nous, être à notre niveau. Est-ce que ça suffira? Je n'en suis pas sûr, mais on veut être à notre niveau. Est-ce que c'est un match particulier aussi en tant que coach? Est-ce qu'on apprécie d'affronter de tels joueurs dans un tel stade? Oui. Après, moi, j'ai beaucoup aimé ce stade en étant joueur. Quand on est allé gagner là-bas. Avec Monaco, mais c'est un stade que j'apprécie beaucoup.
si on doit comparer à Paris, je préfère même celui-là qu'aller jouer, parce que j'ai joué aussi au Stade de France. J'aime l'ambiance qu'il peut y avoir là-bas, j'aime l'atmosphère, la pelouse en plus, maintenant, elle est magnifique. Et non, c'est des matchs que je pense comme les joueurs, qu'on a envie d'apprécier, qu'on a envie de jouer et sur lesquels on a envie de performer. Alors, le dernier point, on ne sait pas. Mais on a hâte d'y être, oui. Justement, il y a deux recrues de cet été, qui sont Thierno Baldé et Wilson Deberg, qui sont formés là-bas. Il me semble qu'ils n'ont jamais joué au Parc des Princes. Non, ils n'ont jamais joué, même avec les jeunes. Ah, peut-être avec les jeunes. Non, mais je sais pas, mais je crois que les jeunes, ils ne doivent pas jouer beaucoup. Oui, ouais. Est-ce que vous en avez parlé avec eux de l'aspect, forme de pression de retourner dans leur club Alors, c'est vrai qu'il y a l'aspect émotionnel qui peut jouer. Après, ils savent aussi que dans mes choix, et c'est ce qui conditionne leur match ou pas leur match, c'est pas le fait qu'ils soient parisiens, issus de Paris ou ex-parisiens. Ils doivent être performants. S'ils sont sur le terrain, c'est qu'ils ont été performants jusqu'à maintenant. Et je pense que tous, quand moi je reviens au Stade Louis II, j'ai envie d'être bon au Stade Louis II. Quand eux vont revenir dans Paris, c'est pas une histoire de j'ai pas joué avec l'un ou j'ai pas, c'est qu'ils sont un peu chez eux et qu'ils ont envie d'être bons. C'est après à eux de trouver. Vous avez raison, parce que par rapport à l'âge, il faut pas que les émotions, il faut qu'elles soient positives, ces émotions. Et je pense qu'elles seront positives. Elles seront positives parce qu'ils ont tout à gagner. À montrer justement qu'ils ont le niveau de la Ligue 1, qu'ils ont le niveau. Et je pense, pour avoir discuté avec eux sans aucune rancune, enfin, il n'y a pas de. Wilson, il sait très bien, si on prend Wilson, qui a l'opportunité avec nous, il est venu à Troyes pour avoir l'opportunité de jouer. On imagine, on transpose un peu Wilson aujourd'hui au PSG, et c'est. Ce serait tout à fait logiquement qu'il ne ferait pas beaucoup de minutes au PSG quand on voit le niveau des joueurs qui sont à son poste. Donc lui le sait aussi, mais je pense qu'il aura comme envie, s'il joue comme Thierno, s'il joue de montrer ça, mais il le montre toute la saison aussi. Enfin, il n'y a pas simplement Parc. Le PSG a revu sa copie tactiquement depuis quelques semaines en jouant 4-3-3 pratiquement. Ouais, un joueur de deux attaquants, ça va vous inciter, vous, à densifier votre milieu de terrain davantage, sachant que Tardieu et Agoumé ne sont pas là. Voilà. C'est bien, vous avez vous faites la réponse dans la question. Non, mais on avance. Vous voyez, il était sur le banc. On va voir avec Kanté. Après, encore une fois, on peut très bien densifier en gardant le même système. On peut, voilà, c'est plus une question d'animation, que ce soit défensive ou offensive, mais on peut très bien répondre à un problème tactique avec un système de par son animation. Donc effectivement, ça peut être l'objectif. Après, Paris a été amené à changer de système par rapport, enfin, moi de l'extérieur, hein, par rapport aux blessures qu'ils ont pu avoir en défense centrale. Je ne pense pas que ça ait été une volonté flagrante de passer comme ça à 4 du jour au lendemain. Et là, ils ont plus de monde, donc ils peuvent, encore une fois, être à 3, à 4 derrière. Les principes généraux de Paris restent les mêmes. Et vous parliez effectivement, il y a beaucoup plus de joueurs dans cette dernière animation, mais même quand ils sont avec 3 défenseurs centraux, ils se retrouvent quand même avec ce qu'on dit dans la boxe, il y en a qui appellent ça la pocket, la boxe, enfin, à l'intérieur du jeu, ils se retrouvent avec 3 attaquants, avec 2 milieux de terrain, donc ils peuvent être 5 ou 6. C'est un domaine qu'ils maîtrisent et qu'ils aiment beaucoup. I think it's had its ups and downs. I think I know I can play better. There's been some games that... Des hauts et des bas, il est capable de faire mieux, il le sait. There's been some games that I haven't played well, and there's been some games that I think I've played well, but I still think the goal for me is to win games. So when we're getting draws that I think we should get 3 points, it's disappointing for me, because this is, at the end of the day, it's a team sport. It's not about just my individual performance, it's about the team's performance. And if we win games, il y a des matchs qu'il a fait bien, il y a des matchs qu'il a fait moins bien, il le sait. Et bon,
comme tout le monde dit, c'est ce qui est le plus important, c'est la performance de l'équipe. Il y a des matchs nuls où on aurait dû aller chercher la victoire et il était désabusé, il était disappointed, déçu par rapport à ça. Il le sait et il doit travailler pour être meilleur. La saison dernière, la défense était un point fort quand tu es arrivé. Du coup, c'était une de tes premières tâches que tu avais voulu mettre en place. Cette saison, la défense a un peu plus de mal. Comment est-ce qu'Eric il l'explique? Last season, when I arrived, it was a strength point of our team, the defense. Mm-hmm. It was a strength point. It was one of my the things I wanted to improve in the team. And this season, it's not. How do you explain this? I mean, it's football. There's ups and downs, I think. I thought you fast mieux. You have to do better, not the ups and downs. There's ups and downs, and I think we've conceded some easy goals and some given up some from our own mistakes and stuff like this, and then. On concède des buts stupides et on doit arrêter avec certaines de nos erreurs. Yeah, it's just. Il y a des hauts et des bas. It's part of growing too. I think we added Jackson, and then so like communication wise, like he speaks Spanish as well, so it's been. On a ajouté different. Des nouveaux joueurs comme Jackson pour Rosso. Et il y a aussi la communication qui fait, voilà, lui ne parle qu'espagnol, il faut qu'on améliore. So it's a little how different. How will you improve it, the communication with the Spanish guy? I speak a little bit of Spanish, but not a lot. Il parle un peu espagnol, pas assez, mais il faut. Bien entendu, il y a des nouveaux joueurs. But I don't think this is the main problem. I think it's just, again, we've given up some goals in critical moments in the game, and it's hurt us. Le plus, c'est pas le plus important la communication, le plus important c'est qu'on a concédé des buts à des moments très importants du match et il faut qu'on arrête avec ça. Il n'y a pas le sentiment que parfois les défenseurs manquent un peu d'impact physique, d'engagement dans Don't you think sometimes defenders, attack defenders, are not strong enough defensively, not in the duels? I mean, there's some instances in the game where you can look at the clips, you can look at the games, and we're not strong enough or winning our duels and 1v1 challenges, but yeah, that's something we have to improve on as well. I think there's a lot to improve in every aspect of our game. Il y a des matchs où effectivement on n'a pas été assez bon dans ces duels, dans ces moments, et on doit l'améliorer. On a été capable de le faire et on doit l'améliorer si on veut justement que la défense soit plus solide. Do you feel better in actual position in the defense or on the right? It's or for on the me. Left because he joue aussi on the left. Yeah, for me it doesn't matter. I think ça ne me dérange pas. It's just again about for me winning games. I want to win. That's really all I care about. Quand il y a un match, j'ai envie de gagner. Et il s'en fout, non, il s'en fiche, care, ça ne le dérange pas, quoi. En étant poli, ça le dérange pas. But you feel better. What's your if you had the choice? It's just different. If you were coach and player, what would you choose? The coach is not here. Yeah. Non, je lui dis en plus, non mais parce qu'on a eu une discussion. I think last season and this season I played more games in the middle, so I think that's where I just feel more comfortable right now. La saison dernière et cette saison, le plus où il a joué, c'est dans l'axe de la défense à 3, et c'est vrai qu'il se sent assez à l'aise dans cette position. La Coupe du Monde approche bientôt, il n'y a plus que quelques matchs, on voit que quand les joueurs se blessent, souvent, si c'est une blessure plus importante, ils vont rater la Coupe du Monde. Est-ce que pour lui, c'est... Est-ce que ça change sa manière d'aborder les matchs, les duels, les contacts? It's soon the World Cup, mm-hmm. And we see that now if there is an injury, the player can miss the World Cup. Yeah. So if it does it change something for you when you go on the pitch? I'm interesting. Who's this question? No, not for me. I don't think I'm guaranteed a World Cup spot. I think there's still a lot. Il est pas sûr de faire la Coupe du Monde. Yeah, I think there's a lot of players in my position playing well. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent bien à son poste dans l'équipe des États-Unis. For me, it's
again, it's focusing on the moment, focusing on what I can do best. If I get injured and don't get to go to the World Cup because of an injury, that's unfortunate. But like, it's every guy's dream to go to the World Cup and play. But at the end of the day, like, it's what you do in club football that should get you to the world stage. C'est ce qu'il va faire en club, qu'il va faire, qu'il va ou pas aller à la Coupe du Monde. Bien entendu que la blessure, ça fait partie de... Ça peut l'en priver, mais il sait aussi que c'est ses prestations avec l'Estac et ses prestations avec nous qui peuvent lui donner l'opportunité d'y aller. Donc oui, c'est important, mais s'il ne joue pas les 4 matchs, ça c'est moi qui ai ajouté, s'il ne joue pas les 4 matchs, il sait qu'il n'ira pas, parce qu'il y a beaucoup de monde à sa position. Il n'est pas forcément le premier choix aujourd'hui pour les États-Unis, donc il sait qu'il doit montrer aussi en championnat pour avoir cette chance d'y aller. La blessure, ça en fait partie. Est-ce que justement, du coup, pour lui, ça me dit que pour lui, il joue gros. Match au parc, forcément, so, une exposition. If you play on Saturday, j'ajoute. So if you play on Saturday, do you think you play? It's very important for you because everybody will see the game. And do you think this game is really important for you, perhaps to go to the World Cup? Again, I really don't think about this. For me, it's about, yeah, I want to play every game that I'm available encore, for. Il pense pas forcément à ça. Il a vraiment envie de jouer et jouer tous les matchs. It would be an honor to go to the World Cup, and it's one of my goals. C'est un honneur. C'est un de ses buts, un de ses objectifs d'aller à la Coupe du Monde. At the end of the day, like, we're playing PSG on the weekend. Those guys are all international players, and it's a dream to play against PSG as well. So you get to play against some of your idols and some of the guys that are at the top of world football. Jouer contre tous ces internationaux à Paris, but you know that everybody will look at this game. Yeah, but the question is good. No, I mean, you think it's important. So if the players in front of you are much better than you, the coach will perhaps say, oh, you won't go to the World Cup. Si les joueurs en face sont trop forts pour lui, son coach de yeah, but I think the national team watches every game. I think il regarde tous les matchs. It's not just again, like, obviously these games are bigger because it's a bigger club that you're playing against, but I know my national team coach watches every game. Ouais, il regarde pas simplement Paris. Le peut-être les médias le regardent, mais c'est vrai que dans les équipes nationales, ils scoutent. Enfin, ils ont suffisamment de monde pour regarder tous les matchs, et tous ces matchs sont observés par le staff de l'équipe nationale. Quand est-ce qu'il connaîtra la liste de ses... When do you know the list to go to World Cup? When you guys know, I don't know. No, you don't have a... For example, in France, it's 9 November. I think it might be the 9th as well. I think it's the 9th. I'm not sure, 100%. I think it's the 9th. C'est le 9 aussi. Il est sûr. C'est le 9. When's our last game? The 4th, the 12th? The last game. The 12th, Brest. 13, Brest. I think it's the 9th. It's like midweek before. Before the last game.